Bien le coucou, c'est Acta et je viens aujourd'hui vous présenter mon édition collector de Battle for Azeroth. Comme d'habitude, hein, c'est du très bon travail de Blizzard, mais voilà, c'est l'occasion pour moi de faire une vidéo rapide, facile et pour vous présenter quelque chose que j'aime, donc voilà. L'édition collector, comme vous pouvez le voir, donne un aspect un peu pierre noire ou des lumières bleues, enfin du bleu en tout cas, c'est cool. On peut facilement deviner que c'est un lien à l'Azerith. Sur la tranche, bah, on a Azeroth avec les nouveaux continents, fatalement. On voit un petit peu les choses importantes, ça donne un petit effet livre, je trouve ça joli. Voilà, pour la couverture, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est toujours du bon travail. Voilà. Quand on l'ouvre, on arrive directement sur ce fameux livre qui a fait parler de lui. Le livre, donc, double face, d'un côté l'Alliance pour Elegie, de l'autre côté la Horde, avec une guerre honorable. Ça retrace vraiment les événements, ou en tout cas l'avant des événements que vous avez pu voir en jeu avec la guerre des épines. Donc ce livre que vous avez juste à retourner retrace donc les deux histoires, et contrairement au PDF que vous avez pu télécharger sur le site Blizzard, en fait, le livre ici est illustré. On a différents dessins qui rendent le livre beaucoup plus agréable à regarder que le simple PDF auquel on a eu droit sur le site Blizzard. Voilà, faut bien qu'il y ait un petit bonus pour les collecteurs évidemment. On arrive ensuite à cette fameuse pièce. Alors la pièce, elle fait 10 cm et pèse environ 350 grammes. J'ai pas été pesé, mais c'est un peu ça, c'est à peu près ça. Elle a un poids correct. Elle fait un peu cheap dans la vidéo. Quand vous l'avez en main, je vous assure que c'est pas le cas du tout. Elle est de bonne qualité. C'est un très très bel objet. Les détails sont magnifiques. C'est vraiment une belle pièce dans une collection. Honnêtement, voilà. On arrive ensuite sur la petite enveloppe travaillée de Blizzard, toujours, tout est toujours travaillé de toute façon chez Blizzard. Elle contient évidemment le code de jeu et la clé pour entendre, comme vous le voyez à l'image, la bande son originale de Battle for Azeroth. On a ensuite une petite publicité parce que Blizzard ne va pas se priver. Et tout simplement on a des jeux gratuits, ils nous rappellent les jeux gratuits, donc il y a les World of Warcraft pour 20 jours, Starcraft, Heroes of the Storm, Hearthstone. Vous connaissez. Ensuite, tout au fond, on a cette petite boîte. Alors dans cette petite boîte, il y a le pied, en fait, pour la pièce. 3 clics, c'est monté. Moins bonne qualité que la pièce, mais ça donne quand même un bel effet. Et vous n'avez plus qu'à poser votre pièce dessus. C'est un beau collector. Honnêtement, tout donne très bien. La vidéo, s'arrête déjà ici. Il n'y avait pas grand chose à en dire, ou je n'ai pas grand chose à en dire, en tout cas. Ceux qui vont regarder la vidéo, j'imagine que vous allez participer à Battle for Azeroth, donc je vous souhaite un très bon pexing, bonne découverte de cette nouvelle extension, et n'oubliez pas qu'une extension c'est tous les 2 ans, donc vivez-la correctement, à votre rythme, et comme vous le souhaitez. Sur ce, je m'arrête là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Salut !